séquence, encore une table ronde. Donc c'est une conférence qui vise à essayer de voir comment, d'accord, il est possible aujourd'hui pour une filière agricole qui est confrontée, d'accord, à des difficultés économiques réelles, qui est confrontée à la crise du monde rural, à un effondrement des effectifs de l'agriculture. Il faut bien voir que à la fin du 19e, 18e siècle, il y avait plus de 80% d'agriculteurs en France. Il y en a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, moins de 3%. D'accord ? Et 1% au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc l'objectif, ça va essayer de voir, d'essayer de voir si l'agriculture bio ou raisonnée en Dordogne représente une opportunité pour assurer un développement. Et on va commencer en donnant la parole à M. Mazuri, qui va nous parler des expériences qui sont menées dans les lycées pour essayer de voir à travers l'agenda 21 comment soutenir l'agriculture locale. Merci. Alors, je me présente, je m'appelle Jean-Christophe Mazuri, je travaille au conseil régional et mon rôle, je suis chargé d'accompagner les établissements comme le vôtre dans les démarches agenda 21. Ou dans les démarches de développement durable. Il y a en Aquitaine 150 lycées, un peu plus, 153, qui est donc une bonne partie, sinon la quasi-totalité de ces lycées ont les mêmes préoccupations que nous au niveau de la restauration, des enjeux de filières courtes de bio. Certains sont vraiment engagés dedans, ont des réflexions qui sont plutôt assez avancées, d'autres sont encore en stade de perfection, mais c'est quelque chose qui est tout autant vous êtes dans cette salle, pour aller dans n'importe quel lycée, on aurait autant de collègues qui seraient comme vous concernés par ça. Alors, les expériences qui ont été mises en place, il y en a eu un certain nombre. Je vais parler de Dordogne et un peu au-delà aussi. Il y a eu des expériences de découverte en fait de filières locales ou de légumes ou de fruits qui étaient un peu tombés en désuétude ou qu'on ne connaissait plus. Par exemple, l'intérêt aussi du bio et de l'alimentation, c'est de découvrir le goût. C'est un peu, on peut faire un parallèle, imaginez que vous n'ayez que trois couleurs à votre disposition, le bleu, le blanc et le noir. C'est un peu restrictif, il va vous manquer sans doute quelque chose pour pimenter votre paysage. Et le goût, c'est un peu pareil, c'est toujours des goûts un peu standardisés qui arrivent. Et donc l'idéal, c'est de pimenter son paysage gustatif. Et donc dans un lycée, un cuisinier, sans prévenir les élèves, avait préparé des verrines qui étaient extrêmement jolies et très, vraiment visuellement très réussies. Et ces verrines, en fait, étaient rutabaga. Alors ça ne dit peut-être pas grand-chose du rutabaga, mais le rutabaga, ça a été un aliment de substitution pendant la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des racines. Quand on voit la tête d'un rutabaga, je peux vous garantir que vous ne mettez pas ça dans votre assiette. Et pourtant, les élèves ont adoré, et quand on leur a montré la tête que ça avait, ils ont été assez surpris, encore plus surpris de savoir qu'ils avaient mangé des racines. Et ça avait un goût particulier, et passé la première surprise, il y a eu un vrai intérêt. Donc il y avait, et c'était évidemment des fournisseurs qui étaient autour du lycée qui avaient proposé ces rutabagas. Il y a eu des expériences aussi de lycées locavores. Alors ça a été assez compliqué. Pour un lycée, c'était un peu une obligation parce qu'il était relativement excentré et avait assez peu de... C'était dans les Pyrénées, c'était le Moyen. Ils avaient des difficultés pour faire venir les fournisseurs chez eux. Donc ils ont décidé de se servir des fournisseurs locaux. Et finalement, c'est une contrainte qui leur a plutôt rendu service parce que ça les a obligés à être un peu créatifs. Il y a eu différentes expériences aussi. Vous avez le lycée à côté qui n'est pas très loin de chez vous, le lycée de Chamier, Pignac-Chamier, La Pérouse, où il y a eu à un moment, dans l'agenda 21, la restauration a été un thème important. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont aussi travaillé avec des fournisseurs locaux. Les fournisseurs locaux, ce n'est pas forcément d'ailleurs des fournisseurs de viande ou de légumes. Il y a des expériences qui sont assez amusantes aussi. Il y a un lycée à Mérac, en Lot-et-Garonne,
qui a décidé, alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui il y a une unanimité sur le tas, tout le monde a trouvé que c'était très bon, c'était bien, c'était très bon. Et donc à l'ERAC, ils ont décidé de proposer du pain à. Et ça a été une levée du bouclier. Les élèves ont trouvé ça absolument pas bon. Alors, a priori, c'était un pain qui était un peu différent de ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Et en fait, ironie du sort, le pain bio qui était en fait supposé être plus nourrissant et éviter d'avoir des retours de pain en poubelle, ils ont eu au contraire des départs massifs en poubelle de pain parce que les élèves ne touchaient pas. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont arrêté l'expérience dans un premier temps, et là ils vont la recommencer, et ils vont la recommencer de façon plus, j'allais dire, plus un peu différente, et il y aura des pains bio, des pains non bio, des petites dégustations, une initiation, et là aussi il y aura une initiation. Donc l'avantage, l'intérêt aussi, on l'a dit, hein, je ne reviens pas sur l'intérêt sanitaire qui est manifeste, mais c'est aussi un complément d'une éducation qui est l'éducation du goût, que vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'avoir ailleurs, pour des tas de raisons, et ça peut être pour des raisons de contraintes financières, des contraintes de temps, et le lycée peut proposer ça aussi, et c'est vraiment très intéressant. Et enfin, dernier point aussi, vous avez les lycées, et après je passe mon coup, qui font des expériences sur des fournisseurs, je vais garder les fournisseurs locaux, pardon. Plusieurs lycées se regroupent et achètent, pour la viande, ils achètent des bêtes sur pied qu'ils font abattre. Et ensuite, c'est ce qui leur sert de sert au repas. Il y a aussi un intérêt pour ces lycées, c'est qu'ils ont une grande connaissance de l'origine de la viande qu'ils font venir et qu'ils vont consommer. Et ça, la traçabilité, c'est extrêmement important aussi. Ça permet de savoir ce qu'on mange, d'où ça vient. Et quand, évidemment, c'est quelque chose qui est fourni localement et qui est fourni dans un périmètre assez proche, ça permet d'avoir un certain nombre de sécurité, d'avoir un certain nombre de garanties. Donc, voilà, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites. Il faut savoir qu'à peu près tous les lycées essayent de servir du bio à un moment ou à un autre. Certains lycées essayent de faire des repas bio complets, mais c'est assez compliqué, comme on l'a déjà dit, c'est très cher. Mais la plupart des lycées qu'on interroge font des expériences sur le bio, essayent d'y aller, parce qu'il y a il y a un vrai intérêt pour ça, il y a une vraie sensibilisation de la part des personnes sur l'origine de la nourriture, sur la qualité de la nourriture et sur la protection de la santé. Donc mais par contre, tous les lycées ne sont pas aussi avancés en termes d'expérimentation que les lycées du bio. Je ne passe pas de la pomme, mais c'est une réalité. Il y a vraiment un travail de fond qui est difficile, qui est extrêmement important. Donc, deuxième point, M. Foucault, qui est membre de la Confédération paysanne, l'agriculture bio, est-ce une chance pour les agriculteurs? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre d'agriculteurs bio à Dordogne? Oui, bonjour, Denis Foucault, moi je suis un paysan. Et cet après-midi, je représente un syndicat agricole qui s'appelle la Confédération paysanne, qui est un syndicat minoritaire. Ça veut dire que ce que je vais dire n'est pas forcément partagé par la majorité des agriculteurs, et que ce que j'ai entendu tout à l'heure de la Chambre d'agriculture, eh ben, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà, il faut toujours vous interroger sur qui parle et au nom de qui on parle. La Confédération paysanne, ça défend une agriculture à échelle humaine. Bon, il y a le mot paysan dessus qui veut dire pour nous qu'on reste sur une structure économique qui est petite ou moyenne, mais qui n'est pas celle de l'agro-business avec des grandes fermes, quelquefois où il n'y a même que des salariés, où il n'y a même plus d'agriculteurs dessus. C'est une agriculture qui prétend se battre pour des produits de qualité, parce qu'on considère que c'est quand même le B.A.B. de notre métier. On est agriculteur, c'est pour faire produire des aliments dont on puisse être fier. C'est-à-dire des aliments qui vous donnent du plaisir quand vous les consommez et qui, au minimum, vous maintiennent en bonne santé. Ce qui n'est pas forcément le cas des aliments industriels qui sont produits aujourd'hui par l'agriculture. C'est une agriculture qui est soucieuse de sa pérennité, ça veut dire de sa longévité, ça veut dire que c'est une agriculture qui cherche à ne pas polluer son instrument de travail et qui
tend à maintenir vivants les sols propres, les eaux, l'air et son environnement en général. Donc dans cette mesure-là, il est évident qu'une démarche de qualité comme celle de l'agriculture biologique, elle va tout à fait dans le sens des valeurs qu'on défend. Donc oui, pour nous, l'agriculture biologique est une chance parce qu'elle est un label qui est fiable. On peut dire ce qu'on veut sur le cahier de charge, il y en a qui discutent, hein, s'il n'y a pas l'unanimité dedans. Mais en tout cas, il est à peu près clair que cette façon de produire, elle respecte l'outil de travail, le sol et l'eau. Elle respecte le consommateur dans la mesure où il n'y a pas de pesticides qui sont dedans. Maintenant, pour nous, donc, il y a effectivement une large part. C'est évident pour nous que le bio est une voie dans laquelle il faut encourager de plus en plus d'agriculteurs à aller. J'insiste bien là-dessus, c'est un label qui est fiable. On sait bien définir ce que c'est qu'un litre de lait bio, qu'un cochon qui a été élevé dans le cahier des charges bio, ou qu'un légume, ou qu'un fruit qui a été produit dedans. Ça, c'est relativement rare. Les consommateurs sont souvent bluffés par des appellations, des systèmes de... des labels, des marques, qui ont un contenu qui est tout à fait flou. Quand on dit, par exemple, j'ai entendu parler tout à l'heure d'agriculture raisonnée. Bon, c'est en gros un agriculteur qui est raisonnable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est uniquement à son échelle à lui. Ah oui, bien sûr, je vais traiter que quand c'est nécessaire. Mais un agriculteur peut estimer nécessaire qu'il fasse un rendement extraordinaire de son champ, et donc il va estimer qu'il est tout à fait normal et justifié et justifiable qu'il mette beaucoup d'intrants dans sa culture. Donc, il y a quantité de cahiers de charges qui ne veulent strictement rien dire. Les labels rouges en viande, par exemple, c'est vraiment de la trappe au loup. Enfin, c'est juste pour faire croire aux consommateurs qu'on a un animal, par exemple, de qualité, alors que souvent, c'est vraiment le béaba du respect du savoir-faire agricole normal. Donc, oui, au bio, il n'y a pas de problème pour nous. C'est vraiment une voie dans laquelle il faut aller, mais ce n'est pas forcément suffisant. Nos valeurs à nous, c'est aussi d'intégrer le paysan dans la société. Donc c'est de savoir que derrière le type d'outils de production qu'on met en place, d'un point de vue économique, en favorisant des grandes structures ou en favorisant au contraire des structures familiales, on a un impact sur le type de société dans lequel on vit. Pour nous, ce n'est pas pareil un arboriculteur bio qui a 4 hectares de pommes en Dordogne, et puis les vergers bio nantais, qui vont travailler sur du bio-industriel avec des vergers de 2000 hectares. Il y a des tas de conséquences d'un point de vue social, d'un point de vue dynamisme des territoires, etc., qu'il est bien important que vous compreniez. Et c'est votre démarche aussi de consommateur, de savoir que quand vous achetez tel ou tel type d'aliment, quelque part, il y a des conséquences sur le type de société qui découle derrière. Bonjour. J'ai deux questions, une plus nationale. Aujourd'hui, la disparition des terres agricoles au profit de l'urbanisation ne bénéficie-t-elle pas à l'agriculture biologique? Et dans une échelle plus locale, est-ce que c'est pas... Alors, le rôle de la Dordogne, qui est un département plus rural, de faire que l'agriculture biologique ou se spécialiser dans ça, pour montrer l'exemple. Alors, il y a deux questions, c'est ça? Oui. La première question, ça concerne l'urbanisation des terres agricoles qui favoriserait l'agriculture biologique? Qui pénaliserait. Qui pénaliserait. Il y a le problème du foncier en matière agricole, qui est un énorme problème. On ne va pas faire confiance là-dessus. Mais en gros, c'est très très compliqué pour un jeune qui vient du dehors, de l'extérieur du monde agricole et qui n'est pas fils d'agriculteur, de trouver une petite structure, parce que les maraîchers, par exemple, sont des agriculteurs qui n'ont pas besoin de grande surface. Avec 1 ou 2 hectares, ça nous suffit pour avoir une structure qui soit viable. Mais c'est quand même néanmoins très difficile. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une volonté politique de toutes les collectivités pour favoriser ce genre de structure et effectivement qu'on donne la priorité
dans le cadre où il y a des réserves foncières qui sont organisées par la région ou par des outils comme la CEPA, etc., pour les rétrocéder à des agriculteurs qui s'engagent dans des démarches de qualité, telles que l'agriculture biologique. Donc ça, c'est un peu fait, c'est notamment, bon, je crois qu'il y a des collectivités locales qui l'ont très bien compris, notamment en Dordogne, en essayant d'offrir, c'est plus facile pour des maraîchers qui ont par exemple en surface, encore une fois, des espèces de terrains d'expérience pour des jeunes qui puissent se tester, voir en grandeur nature s'il y a ou non un marché pour leurs produits et s'ils sont faits pour ce métier, qui est quand même aussi assez particulier. Par rapport à la deuxième question, c'est très intéressant, parce que la Dordogne, le Périgord, en fait, ça représente le département de la Dordogne, mais c'est une marque en soi. Tout produit qui a le cachet Périgord, eh ben on sait qu'il va plaire aux étrangers, qu'il va plaire aux gens du Nord, aux Parisiens, etc. Vous mettez un foie gras du Périgord, un foie gras des Landes, un foie gras du Gers, le test a été fait, et pour l'ensemble des Français, on va se diriger, au même prix, avec une même garantie de qualité, vers le produit qui viendra du Périgord. Alors la tentation est forte pour les techniciens, pour les responsables de ce département, de dire, eh ben, puisqu'on peut mieux vendre le produit, et peut-être même un petit peu plus cher, en les apportant à Périgord, essayons d'organiser la marque Périgord, le label Périgord, les BGJP, les choses comme ça. Le débat après qu'on a dans notre profession dans l'agriculture, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les cahiers des charges des produits Périgord. Est-ce qu'on les fait pour permettre à l'industrie, à l'agriculture industrielle, aux agroalimentaires, de mieux vendre leurs produits, donc peut-être un bien, ce qui peut permettre aussi une meilleure rémunération des gens qui font que la matière première agricole. Par exemple, est-ce que bon, un industriel foie gras a intérêt effectivement à avoir son IGP comme le plus, on le sait, mais qu'est-ce qu'il va appliquer derrière comme cahier des charges, quelle garantie pour le consommateur? Souvent, alors moi c'est mon point de vue, ça veut dire que quelqu'un de l'agriculture peut avoir un point de vue différent, je ne le nie pas. Mais pour moi, souvent ces cahiers des charges ne sont pas suffisants et sont souvent. On parlait de la fraise tout à l'heure, madame de la Chambre d'agriculture, ne voyez pas la distinction entre une fraise bio et une fraise classique. Bon, ça se discute encore une fois. Est-ce qu'on va faire de la fraise du Périgord qui est hors sol? La fraise du Périgord en sol, n'importe quel légume en sol, ça veut dire que c'est un flanc de fraise qui n'est plus dans le terroir, qui n'est plus dans la terre. Il est dans un substrat et il est arrosé par un liquide aliment, un liquide qui va alimenter la plante, etc. Et ça veut dire que cette fraise, elle peut très bien pousser sur votre balcon, comme en plein Périgord, dans un champ de verre, au cœur de la plante. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme conséquence en termes de qualité? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme conséquence en plaisir quand on va manger ses fraises? Bon, ben, tout ça, c'est à apprécier. Et là-dessus, il y a matière à débat. Je ne vais pas trop privilégier ma position, mais en tout cas, il y a des avis qui sont différents. Mais ta question est très importante. Localement, on a un énorme atout dans notre jetcart avec le terme Périgord. Comment l'utiliser? Est-ce qu'on va l'utiliser en liaisant un peu l'aider et puis en essayant quand même de bluffer le consommateur? Ou est-ce qu'on va réellement se dire, dans cette région, il faut faire une agriculture de qualité, parce que c'est ça que les consommateurs veulent, il y a un marché là-dessus, mais ne trouvons pas le consommateur? Oui, oui. Juste une petite précision par rapport à ta première question sur l'urbanisation. Après, ça va marcher mieux sans, parce que ça va être sans problème. Juste une précision par rapport à l'urbanisation. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la volonté des consommateurs. Et donc là, je ne vais pas parler de Dordogne, mais si on raisonne sur l'agglomération bordelaise, on a la CUB, la communauté urbaine de Bordeaux. Et à peu près, sur la CUB, il y a à peu près la moitié de la surface qui est urbanisée, qui sont les villes, et la moitié qui sont des surfaces, on va dire, végétales, que ce soit des parcs publics, des jachères ou des agriculteurs. Et tous les agriculteurs aujourd'hui qui s'installent, notamment sur les maraîchages, qui sont en train de s'installer sur le territoire de la communauté urbaine de Bordeaux, ils sont tous en bio. Et ça, c'est pas lié, bon, c'est un petit peu lié par rapport à des aides, etc., etc., mais c'est surtout lié à la demande des consommateurs qui aujourd'hui souhaitent avoir des produits locaux, oui, mais des produits locaux qui vont être environnementaux. Je vais vous faire l'avocat du diable, mais je vais passer la parole au représentant de l'Intermarché. Aujourd'hui, nous, au lycée, on s'est rendu compte, j'ai assisté à un conseil d'administration, que le nombre de parents qui ne pouvaient plus payer la cantine a été multiplié par 2 depuis l'année dernière. Donc, j'ai entendu que le bio, je suis persuadé que le bio c'est bien meilleur, mais le bio c'est beaucoup plus cher.
comment faire pour donner une agriculture de qualité, si possible bio, à un prix qui soit, on va dire, démocratique. Oui, bonjour à tous. Je me présente Eric Besson, je suis adhérent Intermarché à Tocard. Bon. Depuis ce matin, on parle beaucoup de... On parle surtout du sujet qui nous anime, c'est-à-dire le bio. Moi, je ne suis pas un spécialiste du bio, je suis distributeur. Ce que je peux constater, ce que j'ai pu constater chez moi à travers les directives d'enseigne qui nous demandaient d'introduire des produits bio dans nos rayons, et notamment dans le rayon des légumes. Il y a quelques années, on nous a demandé d'introduire 10 produits bio en permanence dans le rayon fruits et légumes. Force est de constater que le législateur, qui est sur le dos aussi, hein, on va faire n'importe quoi et vendre n'importe quoi, n'importe comment, nous a obligés, pour éviter toute contamination croisée entre produits bio et non bio, de les mettre sous emballage, ce qui pose un problème parce que le consommateur ne comprend pas très bien pourquoi il vient acheter du bio, qu'est-ce que c'est le fan, ça le gêne terriblement. Aujourd'hui, force est de constater que sur ces 10 produits, chez moi encore, il ne reste plus que 2 produits qui sont la banane et le citron. Non locaux. Non locaux du tout. Moi, je vais surtout passer la parole à Sandrine. Qui est responsable qualité du parc du Scotter, qui connaît bien, qui a tous les chiffres et qui pourra en débattre. Je ne me défile pas, hein, mais je répondrai à vos questions sans problème. Bonjour à tous, donc Sandrine Couteau, je suis la responsable développement durable pour la région centre-ouest du parc du Scotter, donc qui reprend le département. Donc effectivement, pour la question sur le bio, aujourd'hui, c'est quand même pas négligeable parce que nous, en France, on a quand même une part de marché importante sur les produits bio. Après, la difficulté, c'est qu'on raisonne aussi localement. Et on a des endroits où on va avoir une forte demande en bio et on a des endroits où on ne va pas avoir du tout de demande en bio. Alors, effectivement, il y a le souci économique, comme vous l'avez signaler, c'est-à-dire que dans des endroits où on a des populations qui n'ont pas forcément énormément de revenus, il est compliqué de vendre du bio. À l'inverse, si vous prenez la périphérie de Paris, il n'y a aucun souci, on vend énormément de bio. On a des gros demandes bio. Tout ça pour dire quoi? Tout simplement que nous, on vend ce qu'on nous demande de vendre. Aujourd'hui, on a une autre casquette qui est hyper importante et je pense que vous en avez tous entendu parler. Et j'ai fait des photos au niveau de votre restaurant scolaire parce que j'ai trouvé très bien au niveau de l'information. C'est le gaspillage alimentaire. Donc aujourd'hui, il faut savoir que nous, on est mis un petit peu en avant parce que ce qu'on ne vend pas, on le jette. D'accord ? Et qu'on a des volumes qui sont jetés qui sont énormes. Donc si c'est pour acheter des produits, pour dire on a de l'offre bio, et finalement, jeter, il n'y a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile aujourd'hui de répondre généralement sur tous nos magasins en bio. Par contre, ce qui se fait beaucoup, c'est effectivement du travail quand même local avec des producteurs locaux. Alors, plus en agriculture raisonnée, je suis désolée, mais que sur du bio, parce qu'effectivement, le bio nous impose par son cahier des charges, du sur-emballage, etc. Et sur les petits producteurs locaux, ils n'ont pas forcément la capacité à nous fournir. Donc là, on passe plutôt sur des gros groupes, comme vous disiez. Mais aujourd'hui, on a quand même 11,5 parts de marché, % de parts de marché sur le bio. Et je pense que c'est pas fini. Donc aujourd'hui, on s'est engagé, nous, à travailler sur des produits à nos marques et à nos filières. Donc tous les produits de marque Intermarché, etc., à travailler des gammes bio. Pourquoi? Parce que les consommateurs aujourd'hui ont tous tendance à aller acheter les produits de marque fournisseur en se disant que c'est quand même cher, ce qui est vrai. Donc on a eu une réflexion sur nos gammes de produits pour développer des gammes bio de manière à le rendre
difficile à comment faire le consommateur. Et donc, ce dossier est initié depuis 2012 et qui perdure dans le temps, donc, qui va s'évoluer. Donc, on va des gammes de crèmerie aux gammes de pâtisserie industrielle, biscuiterie, etc. Alors, monsieur le secrétaire, on se rend compte que les consommateurs demandent de plus en plus de bio. Ils ont politique pour être réélus et toutes leurs électeurs. On peut espérer. Donc, plein de choses, mais je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur. Vous parliez de prix démocratique. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que je pense que ce que vous sous-entendiez, c'était le fait que quand on fait ses courses en fonction de ses moyens, on peut ou pas prendre du bio et le mettre dans son chariot et le payer quand on avant de sortir d'Intermarché ou enfin, de n'importe quelle autre grande surface. Donc ça signifie effectivement qu'il y a une inégalité qui est aujourd'hui renforcée par les difficultés économiques. Mais le prix démocratique, à mon sens, ce n'est pas uniquement une forme de démocratie par rapport au seul point de vue du consommateur. Il faut aussi que le prix démocratique il tienne compte, bien sûr, du consommateur, mais aussi du producteur. Il faut que ce prix soit aussi rémunérateur pour celui qui a produit ce fruit, ce légume, cette viande. Donc il faut tenir compte de ça. Et tout travail mérite salaire. Donc il faut trouver le juste milieu entre un prix attractif pour le consommateur, mais qui permette aussi à l'agriculteur ou au paysan, en fonction de la façon dont on se positionne, de pouvoir travailler dignement et vivre de son travail dignement aussi. Je crois que c'est important. C'était par rapport à ça que je voulais réagir. Après, au niveau des collectivités, on ne fait pas des choses uniquement pour être réélu, on fait aussi des choses parce que on a parfois, on essaie en tout cas d'avoir le sens aussi de l'intérêt général et on est convaincu que sur cette problématique-là, il y a des choses à faire. Le Conseil général de la Dordogne fait des choses, ça a été dit. La région aussi essaie de faire des choses. Monsieur parlait tout à l'heure de l'installation de ce qu'on appelle le hors-cadre familial, c'est-à-dire celui qui s'installe sans être issu d'une famille d'agriculteurs. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile dans ce cas-là. Donc on essaie d'aider à cette installation-là. On essaie aussi d'aider à des formations qui se mettent en place. On avait une expérimentation qui avait été faite il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus trop, sur Sarlat, au château de Campagnac qui appartient à la mairie de Sarlat, une formation en maraîchage bio. La région était intervenue aussi financièrement pour le faire, à la fois pour payer les formateurs, le revenu de celui qui était en stage, mais aussi il y avait un certain nombre de financements à faire au niveau de l'investissement qu'on avait fait. Et puis après, on essaie de structurer les filières, de structurer les circuits courts. On essaie de mettre des primes à l'installation en bio, d'aider à la conversion ou à la certification. On essaie d'aider aussi à l'investissement des agriculteurs. On aide par exemple beaucoup les CUMA. Les CUMA, ce sont des formes associatives qui permettent à plusieurs agriculteurs de se regrouper pour acheter un matériel qu'ils vont ensuite partager entre eux. Enfin, une définition à ma façon, mais c'est grosso modo c'est ça. Enfin voilà, on essaie de mettre en place tout un tas de soutien financier et d'aide logistique pour permettre de développer cette filière. Il me semble, Michel, que les élèves pourraient un peu participer, parce que vous avez vu que M. Foucault défend une agriculture biologique, l'intérêt des agriculteurs familiaux et paysans. Intermarché, lui, prend en compte les contraintes de ses clients et de ses consommateurs. Vous en pensez quoi, vous ? Il faudrait qu'il y ait des questions. C'était une question pour M. Foucault. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord par rapport à une intervention de la personne précédente. Vous, vous avez envie que je vous révèle, quoi ? J'ai un caractère déjà assez. Il ne faut pas me pousser. Bon, non, mon objectif, c'est pas de polémiquer. Mon objectif, c'est pas non plus de vous faire croire que, bon, voilà, on est dans le monde des bisounours. Je vous ai dit, encore une fois, bon, ce que je dis, ça n'engage que moi, et je pense représenter un peu
quand même assez correctement les valeurs de la, du syndicat de la Confédération paysanne. Ce qui me semble important de vous faire passer comme message, c'est qu'en gros, il y a forcément derrière l'alimentation des enjeux économiques qui reprennent tous, manipulent tous les concepts de plaisir, parce que manger, ça reste un besoin, mais c'est quand même aussi. On a la chance, nous, dans notre société, que ce soit un plaisir, ça va quand même. C'est comme ça qu'on va choisir ce produit. Donc, il y a la notion de plaisir, il y a la notion de santé derrière, avec des peurs plus ou moins fondées, etc. Et puis, il y a surtout, enfin, il y a également des producteurs, avec des enjeux économiques pour eux qui sont vraiment vitaux, puis des filières de transformation des produits, parce que c'est relativement rare, à part bon, acheter une pomme ou la croquer, mais sinon les aliments parviennent une fois qu'ils sont transformés ou qu'ils sont conditionnés, d'ailleurs, la vie, les obligations conditionnement, etc. Il y a des problèmes d'environnement et il y a un problème, effectivement, d'organisation des sociétés, etc. Donc, on va jouer, on va essayer de vous séduire. On va essayer de vous faire croire qu'il est plus vertueux d'acheter telle chose que tel autre produit. Et moi, je dis, votre responsabilité de citoyen et de consommateur, quand vous avez ce choix-là, c'est de vous interroger sur ce qu'il y a derrière. Et d'essayer d'aller de plus en plus subtilement vers des concepts en disant, bah oui, le bio, c'est certainement bien. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour le dire ici, très sincèrement. Mais moi, je dis, bio, ça ne suffit pas. Il y a la notion de local, vous avez... Vous avez débattu tout à l'heure. Moi, je dis qu'il y a la notion aussi de comment ce bio est produit, est-ce que c'est à petite échelle, est-ce que c'est à grosse échelle, donc avec les impacts sociaux qu'il y a derrière. Et puis, il y a effectivement les impacts culturels, etc. Donc ça, tout à l'heure, je vous mettais en garde contre des sortes de labels, d'étiquettes, qui n'ont pas de fondement derrière. Je m'attaquais, mais ça je peux effectivement débattre avec qui veut, sur la notion d'agriculture raisonnée. Tous les agriculteurs, en général, quand ils traitent, quand ils mettent de l'engrais dans leur terre, quand ils vont mettre un fongicide sur un blé, hein, pour lutter contre les champignons qui vont amoindrir le rendement, ou quand ils vont mettre un insecticide contre un insecte qui va venir manger le grain, la boule de fruits, etc., tous les agriculteurs raisonnent ce geste. Ne serait-ce que parce que ça va leur coûter de l'argent. Donc déjà, en général, on n'aime pas trop gaspiller l'argent gratuitement. Donc voilà, tout agriculteur un peu sensé, il fait l'agriculture raisonnée. Maintenant, ce raisonnement, il le fait en fonction de quoi? Est-ce qu'il veut produire plus, quitte à produire de la qualité? Est-ce qu'il le fait vraiment par obligation, en disant, bon là, il y a un inconvénient, je risque de polluer, c'est pas terrible, mais je vais perdre toute ma récolte? Voilà, donc c'est quand on ouvre la porte à des labels qui ne veulent rien dire, moi je vous dis, faites attention, on veut vous rassurer, on veut vous dire, oh, c'est bien, tu achètes quelque chose avec une culture raisonnée, ou tu achètes quelque chose qui a une image de rigueur, etc. Mais ce n'est pas pour autant que derrière, il y a un véritable cahier des charges qui te garantisse de la sincérité, de l'authenticité du geste de l'agriculteur. Je vais passer la parole à M. Luder qui n'a pas encore parlé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et si on organise cette journée sur le bio, c'est parce qu'on est véritablement sensibilisé. Maintenant, si on regarde sur Périgueux, ils sont ouverts un troisième McDo. Alors, je ne sais pas si c'est un McDo, mais ce n'est pas l'objectif, mais ils ont ouvert un troisième McDo. Ils s'est ouvert un KFC. On ne sait pas d'où ça vient, toute la nourriture. Hein. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 3000 repas qui sont offerts tous les jours au Périgourdel par McDo. Si on rajoute le KFC, etc., on est à plus de 6000 périgourdins qui, jour, mangent dans ce qu'on pourrait appeler de la restauration rapide collective quand on ne connaît pas l'origine. Alors, M. Oliver, est-ce que, finalement, vous qui représentez quelque part la chambre d'agriculture, on a bien compris votre position. Ce que je veux faire comprendre, c'est que pour les élèves, on veut aussi voir les oppositions, mais on voudrait essayer de voir, finalement, est-ce que le raisonner, selon vous, c'est un pis-aller qui n'est qu'un pis-aller, mais qui peut être provisoirement une route de secours pour éviter de tomber dans une agriculture totalement intensive. Alors, dans le raisonné, je tiens à mettre les choses en place, il y a une connotation aussi d'écologie, malgré tout, parce que même si le raisonné, c'est pas du tout, c'est aussi l'intelligence d'esprit. Si on parlait tout à l'heure, le raisonné pour moi, c'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un bio qui vient d'Espagne, qui vient d'un autre pays en Europe, même à l'autre bout
vous allez prendre une salade en local qui n'est pas bio. Parce qu'à l'arrivée, si on fait le bio là où ça a été produit, la salade est bien bio, sur la terre bio. Mais si on compte tout le trajet qu'il y a eu entre temps avec le camion, les frais logistiques, enfin tout ce qu'on peut compter, l'eau, l'électricité qui va être additionnée et tout, est-ce que c'est réellement le bio là-bas, c'est bien fait pour ne pas polluer? Parce qu'en prenant ce produit bio, qui vient d'un département, on ne pollue pas quand même la nature de beauté. Donc je suis pour le bio à 100%, quand je peux prendre le plus proche du lieu qui en a mis, en l'occurrence c'est le cas, j'ai eu peut-être des boulasades hier, nous avons eu des salades de Massignac bio. En effet, c'était juste à côté, il y avait 12 km, on le fait. On cherche à le faire. Alors, non, du tout, mais je sais pas. Alors, j'ai bien senti que vous avez une position et que vous avez appris, je voulais quand même développer sur le sujet. Donc, voilà. En effet, le raisonner, c'est plutôt en sens de la raisonner. En effet, monsieur avait raison. Une personne, quelle est la dotation de la. Vu qu'il n'y a pas de temps de mesure, hein, c'est à l'appréciation de l'agriculteur. Et sa raison, lui, en effet, c'est peut-être du surproduit en arrière. De façon, justement, à arriver à sa finalité. Je rebondis sur dessus. Pourquoi justement le bio aussi, j'apprécie, mais je m'en méfie aussi. Parce que le bio aussi, on parlait tout à l'heure de marketing, parce que on faut bien revenir là-dessus, en effet, on disait parler de séduire les gens, et c'est le cas. On se dit à travers des groupes, aujourd'hui, le marketing, et si je peux me permettre dans la distribution, c'est un échange que j'en aussi, de la distribution, et je travaille avec eux. Mais il y a un réel besoin aujourd'hui de séduire des gens, aussi bien en collectivité qu'en réseau de distribution en particulier. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Donc, les mots sont importants. Il y a bien aujourd'hui, ici, dans le département, deux mots qui sont importants. C'est le Périgord, on l'a cité tout à l'heure, parce que moi-même, je défends une marque qui s'appelle le Périgord, avec un cas de décharge. D'ailleurs, je tiens à préciser quand même, de façon à garantir certaines choses, qui peut-être arrivent, je ne sais pas, on pourra en débattre. Donc, ça, c'est une première chose. Mais après, si on va parler aussi, en effet, même le bio aujourd'hui est un élément de marketing. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a des réseaux de distribution spécialisés, je peux citer un nom, donc la BioCoop ou autre, qui emploie ce mot fort, parce que tout simplement, il y a un besoin marketing derrière. Donc, en effet, quand on achète du bio aussi, il faut malgré tout se méfier aussi de ce qu'il y a derrière. Il y a des raisons aussi d'énumérer, de vouloir creuser derrière un mot ce qu'il y a derrière, parce qu'on cherche à le séduire, et c'est vrai, parce qu'en effet, il y a du bio qui est bio, il y a du bio qui n'est pas bio, qui n'est pas vraiment bio, hein, il faut bien le dire. Donc, du coup, c'est toujours un élément marketing. On en revient toujours à un élément de séduction. Et je pense qu'en effet, mettre le mot dans tout ça par rapport au bio, quel que soit les labels, que ce soit les labels rouges ou produits de l'année 2013, qui sont des labels concept, enfin, des labels, des petites étiquettes qu'on se paye volontairement, mais qui n'ont rien à voir avec une mission de qualité. En effet, il faut faire attention, et toujours, quand vous êtes client, que ce soit ici à la cantine ou en réseau de distribution, est-ce qu'on vous vend? Parce que derrière, il y a toujours une raison. C'est pas pour rien qu'on crée quelque chose, c'est pour avoir un but derrière de développement, si vous voulez, ou de croissance, de chiffre d'affaires, si vous voulez. Enfin, on peut en parler directement dessus. Mais c'est l'élément principal derrière. Après, en effet, je pense qu'il y a peut-être. C'est au niveau sociétaire, il faudrait revoir à ce moment-là beaucoup de choses. Et on pourrait rester dans un monde plus utopique à ce moment-là de se dire qu'on fait vraiment des choses pour le bien-être de tout le monde. Mais aujourd'hui, dans notre société, c'est encore le cas. Donc il faut toujours creuser derrière. Monsieur Foucault et Monsieur Oliver sont d'accord sur le fait de produire local, même s'ils ne sont pas complètement d'accord sur comment produire. Monsieur Hergé, tout à l'heure, vous nous avez dit le bio d'abord, même si c'est du bio qui vient de l'autre bout du monde. Si j'ai bien compris. Un tout petit peu exagéré. Vous avez dit si bien du sud-ouest. Ah non, quand vous avez parlé de l'avocat, du chili. Ouais, alors. Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'agriculture biologique, le critère de base de l'agriculture biologique, c'est la préservation de l'environnement et la préservation des ressources et du milieu dans lequel est produit l'aliment. Et c'est vrai que ce grand débat sur le transport, etc., ça c'est quelque chose qui est un peu paradoxal, parce qu'on reproche le bio d'être produit dans le monde, et notamment pour les agrumes, l'avocat, etc., parce que vous disiez tout à l'heure, mais on ne pose pas la question au conventionnel, qui est lui aussi produit à l'autre du monde, parce que c'est comme ça, et de toute façon, de l'avocat, de l'orange, etc., on ne produira pas localement, et qui, en plus de la pollution qu'il engrange dans le pays de production, va faire également la pollution du transport. Donc pour moi, alors soit on décide de ne plus consommer de produits qui ne sont pas productibles sur la région, ou alors au Gabon à 50 km, etc. Et c'est un choix de consommateur qui est très respectable, qui est peut discuter. Mais si on veut continuer à consommer, et à mon avis, de toute façon, les consommateurs ne vont pas ne
vont continuer à consommer leurs produits, les produits exotiques, entre guillemets, et cela, on ne pourra pas, en faisant les produits ici. Donc la question du transport, elle ne concerne pas uniquement le bio, mais elle concerne également le conventionnel. Et donc, tant qu'à faire de consommer ces produits-là, autant les consommer avec une agriculture qui a été respectueuse de l'environnement dans la zone de production. C'est ça que je disais tout à l'heure par rapport au bio. Je disais pas de la courgette, je disais pas si on prend de la courgette qui vient du fin fond d'Espagne par rapport à de la courgette locale ici. Parce que sur les produits qui sont consommés, enfin qui sont productifs localement, ma position est différente. Hein, et sur, et juste pour finir là-dessus, il y a, en termes d'importation, vous donnez quand même quelques exemples, en termes d'importation pour le bio, il y a à peu près 30% du volume de consommation, de produits consommés en bio en France qui sont importés. Et sur ces 30% qui sont importés, il y en a 10% qu'on ne pourrait de toute façon pas faire localement, donc c'est le café, son nom. Il y en a 10% qui sont des produits qui sont, qu'on pourrait faire localement, mais pour lesquels on n'est absolument pas concurrentiel. Et d'autres pays plus ensoleillés, avec des meilleures conditions climatiques ou d'autres climats, etc., peuvent le faire. Et après, il y en a 10% sur lesquels on pourrait tout à fait le faire localement, mais entre guillemets, c'est moins cher ailleurs. Ou alors le circuit de distribution fait qu'on arrive forcément à l'avoir d'ailleurs. Donc, sur ces 30% qu'on importe en bio, il faut quand même relativiser, on dit toujours que le bio, ça vient de loin, etc. Il n'y en a que 30% de la consommation de produits bio qui sont importés. Et sur ces 30%, finalement, il n'y a que 10% sur lesquels on a une vraie marge de manœuvre et qui est les produits ben, qu'on pourrait très bien faire ici, mais qui sont consommés, qui sont produits moins chers ailleurs. Voilà. Et donc, dernier truc, après je vous rends la parole. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le volet du local à tout prix et puis bio, si c'est possible, tant mieux et si c'est pas possible, tant pis. Voilà. Donc là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ça, parce que c'est vrai que si on va jusque dans le cliché de notre côté conventionnel de l'eau, tant qu'à faire de consommer un produit qui a utilisé des pesticides, des produits chimiques de synthèse qui vont être capturés dans le sol, je préfère qu'il soit produit ailleurs plutôt que produit à la pratique de l'eau que je vais boire. Voilà. Enfin, c'est vraiment très cliché, ça. Hein. C'est vraiment, il faut pas, c'est pas du tout à prendre au premier degré, mais c'est aussi pour vous amener à une réflexion et qui est sur le fait qu'il faut. Il faut faire attention au local de notre prix. Ce n'est pas parce que c'est mon voisin que je connais et je sais sa méthode de production. Voilà. Et donc, le bio, ce n'est pas uniquement des marketing de la label, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un cahier des charges, européen et avec des certificateurs indépendants. Là, c'est pas moins que la dernière enquête qui nous a tiré sur le bio montre qu'aujourd'hui, 30% des consommateurs sont inquiets sur la qualité du bio. Ça peut devenir. Oui. Et que le pourcentage est en augmentation continue depuis quelques années. Donc ça veut dire que les gosses. Alors après, on va se poser la question. Donc, je vais essayer de donner la parole aux élèves pour est-ce que vous auriez des questions. Alors, oui, il y en a une. Étant donné que les vertus du bio et du local au niveau social et environnemental sont prouvées, est-ce que les supermarchés ne pourraient pas baisser leur marge sur les produits bio et locaux pour aider leur développement? Alors, monsieur Besson, vous êtes prêt à baisser vos marges? C'est dans l'air du temps, hein, les marges des supermarchés, il y a longtemps que j'en ai sur la sellette. Et on les baisse régulièrement, hein, je vous assure. On peut baisser les marges sur ces produits, il n'y a rien qui nous empêche. Mais après, il faut passer. Il y a des limites qui ne sont pas tolérables. Il faut aussi faire vivre le supermarché, il a besoin de vivre, on ne peut pas faire que baisser les marges. C'est un choix. Juste une petite remarque par rapport à ces prix. Il ne faut pas non plus tomber dans le cliché que le bio est forcément beaucoup plus cher, du moins dans son coût de revient pour l'agriculteur. C'est vrai que on a souvent en fait la production de fruits et légumes. Là, il y a un travail humain qui a son coût, qui est effectivement supplémentaire en biologie plutôt qu'en conventionnel. Mais pour certaines productions, on arrive à des coûts de production qui sont tout à fait comparables. Je pense notamment à certaines filières viande, comme l'agneau, comme le bœuf. En lait, on arrive à de très bons niveaux. Quoi. Et on a en général des aliments qui sont aussi plus riches.
donc ils permettent de mieux valoriser, même si on a une quantité et un rendement qui sont un petit peu plus faibles. Donc c'est pas non plus toujours dire « Ah, le bio, ça va coûter vraiment trop cher dans un consommateur. » En plus, je pense qu'il faut, je vais encore dire des choses, histoire de provoquer un petit peu. La philosophie que nous, on a dans la petite exploitation bio, etc., ça privilégie quand même une forme de commerce qui est ce qu'on appelle le circuit court. Bon, vous connaissez certainement les AMAC, qui sont en fait des associations de consommateurs qui ont un contrat avec un agriculteur qui produit et qui lui garantissent un certain débouché. Il y a de plus en plus, notamment en Dordogne, hein, on est un des départements assez leaders là-dessus. Maintenant, c'est mis en place avec l'aide de la Chambre d'agriculture, je tiens à souligner, parce que c'est bien, c'est positif. Il y a pas mal de boutiques de producteurs qui se mettent en place un petit peu partout, peut-être comme les départements. Il y en a certainement dans le chef-lieu de canton, il y en a un Père, il y en a plus long, il y en a ici autour de Périgueux, etc. Donc ça permet que l'agriculteur récupère pratiquement l'essentiel de ce que le consommateur dépense, sans rémunérer les revendeurs ou la grande distribution. Donc ça, c'est aussi... Bon, il y en a, même si c'est marginal, il faut dire aussi qu'il y en a qui vont encore sur les marchés, on trouve des producteurs, des vendeurs de vin, etc. Donc, toutes ces formules-là permettent à la fois une bonne rémunération du producteur et un coût qui n'est pas trop élevé, surtout si on met en parallèle la qualité que vous avez. On va donc avantage certain, c'est gagnant-gagnant, consommateur producteur. Bon, alors on va conclure, M. Oliver, si vous voulez quelque chose. Donc ensuite, on va conclure. On a bien vu que vous n'étiez pas forcément d'accord, mais c'est justement tout l'intérêt d'avoir concilié des points de vue différents. Et c'est ça. Tout en voyant qu'à chaque fois, les intervenants sont restés tout à fait encore convaincants. Ils ne se sont pas engueulés comme ça, parfois à la télé. C'est un peu très positif. Donc, ouais, je voulais juste faire la jonction entre les deux, parce que justement, moi, la chaîne d'agriculture, je fais un rapprochement entre les réseaux de distribution et les producteurs. Et donc, en effet, il y a donc des réseaux de distribution via les producteurs en direct. Mais il y a aussi un bon travail, si vous voulez, sur la chambre avec certaines entités qui vont marcher, notamment au champ et clair. On met en relation avec les producteurs de façon à ce qu'ils trouvent, parce qu'il faut savoir une chose quand même, aujourd'hui, en France, 80% des achats alimentaires se font en grande distribution. Donc, moi, le premier, je suis franc, je ne suis pas du genre à aller faire mes courses avec la PSA qui fait 10 mètres carrés, parce que je trouve ça inhumain, enfin, mais ça existe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la société fait que qu'on n'a pas forcément le temps de faire différents points pour s'approvisionner sur les besoins quotidiens. Donc, les producteurs aujourd'hui, alors il y a deux types de producteurs, il faut le dire, il y a des personnes qui ont leur réseau ancré en vente directe et qui n'ont pas forcément besoin de la distribution, mais d'autres qui ont besoin, qui ont pris conscience aussi que justement, si demain ils veulent avoir une pérennité dans leur activité avec des engagements avec les réseaux de distribution, il était intéressant de travailler donc avec ces réseaux de distribution. Et donc, tout pourquoi, au sein de la chambre, nous avons mis en place une marque qui s'appelle Service de Rigueur avec un cadre d'échange, et qui nous permet de mettre donc en relation des réseaux de distribution avec les producteurs. Ceci est régi par un cahier des charges, avec, on va dire, une charte morale qui régit l'intérieur, qui permet aussi de garantir, aussi bien d'un côté que de l'autre, une clarté dans la marge qui est proposée et gagnée. Donc nous, à la fin de l'année, on fait un bilan à chaque fois complet avec les producteurs qui sont sous cette marque, c'est Valérie Rigaud, qui permet de donner les chiffres des deux côtés, et ça permet justement de faire, on va dire, le garde-fou lorsqu'il y a un problème, si l'un des deux, parce qu'il faut dire aussi, il y a des fois des producteurs qui n'ont pas la mesure du réel marché actuel des prix, parce que on a des fois un mauvais regard sur ce qu'on produit, et on pense à un prix bien supérieur à ce qu'est le marché national. Donc on est là, en fait, pour faire le tampon, et justement, faire attention que les méchants de la distribution ne tirent pas trop sur les producteurs, et que les producteurs, si vous compris, que... Ça s'avère la conclusion, puisque le prochain débat, il porte sur le bio et la distribution. Donc, s'il n'y a pas de questions de la part des élèves, s'il y a des questions. Selon vous, des consommateurs seraient prêts à sacrifier entre guillemets leur
acteur. Voilà, le consommateur est acteur. Tu as un impact par rapport à ça. Après, moi, personnellement, j'ai absolument rien contre la consommation occasionnelle de choses, de très bonnes choses, bien d'ailleurs, et c'est apprécié. Après, voilà, il faut savoir raison garder. Là, actuellement, tu as les pouvoirs de Dordogne, tu as la loi qui va arriver, bon, ça me suffit. J'achète pas trop de la nation. Monsieur Foucault, je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt. Vous avez dit que lorsqu'une production agricole était mise en danger, souvent l'agriculteur, on part du principe d'un agriculteur bio, souvent l'agriculteur prenait les mêmes produits qu'un agriculteur qui travaillait dans l'agriculture raisonnée. Est-ce que quand on rencontre ce cas, l'agriculteur en question ne privilégiait pas plutôt l'économie à la santé du consommateur ? Alors, normalement, un producteur bio a un cahier des charges très strict, donc il ne peut pas utiliser un produit conventionnel. Ça arrivait souvent qu'il y ait des producteurs bio qui ne veulent pas perdre justement leur agriculture et qui servaient de ces produits. Non, c'est des producteurs raisonnés peut-être. Pas grand. À partir du moment où tu respectes la qualité, enfin, tu es producteur bio, tu as quand même, je pense, suffisamment de contrôle, etc., pour respecter un peu les charges. Donc, si tu as une catastrophe, effectivement, il peut arriver, il faut savoir l'accepter, c'est pas facile, de perdre de temps en temps une production parce que tu n'as pas la réponse. Les pratiques biologiques sont plus complexes que les pratiques conventionnelles. C'est-à-dire, en conventionnel, on a un petit peu. On s'est reposé sur l'efficacité de la chimie. Donc tu fais, voilà, tu considères ton sol, et ben c'est pas vraiment ton sol, on n'a rien à faire de ce qu'il est, tu mets de l'azote, tu mets de la... Enfin, je caricature, hein, on est bien d'accord. Mais tu as tendance à considérer que ton sol ne sert que de support, donc tu amènes des intrants, et puis tu as une réponse à chaque fois que tu as un insecte, une maladie, je sais pas, tu as le produit chimique qui correspond, et puis tu le mets, et voilà, c'est simple. En agriculture biologique, il faut réapprendre le métier d'agriculteur. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à vivre avec des spécificités de son sol, avec les aléas climatiques, etc. Il faut savoir faire des rotations entre les différentes plantes d'année en année. Il faut savoir jouer avec des associations de plantes qui les protègent. Il faut savoir choisir des variétés rustiques qui vont beaucoup mieux résister, qui sont plus adaptées à un terroir que quand tu considères que bon, tu prends la variété la plus productive et tu veux un bon résultat n'importe où. Donc il faut savoir jouer avec tout ça. Après, il y a également, on n'est pas complètement diminué, il y a des traitements qu'on appelle des PNPP, des produits naturels peu préoccupants, qui sont des réponses, qui sont des stimulants pour aider les plantes ou les animaux pour répondre aux différentes maladies. Ce qu'on réclame, nous, notamment auprès des pouvoirs publics, mais c'est plus auprès de l'État que de la région, qui ne veut pas grand-chose, c'est qu'on accorde à la recherche scientifique en biologie, les mêmes moyens qu'on a accordés à la sélection et aux recherches qui sont souvent publiques, mais qui sont aussi privées, chimiques, parce qu'on a effectivement besoin de trouver des solutions biologiques à des problèmes qui se posent pour les producteurs. Bon, tu as peut-être entendu parler, la chose qui était la plus vulgarisée à un moment, c'était le fameux purin d'ortie. Purin d'ortie, voilà, on a voulu appliquer au purin d'ortie les mêmes raisonnements sur un produit chimique dangereux. Donc il fallait trouver la molécule qui a tel effet. Ça, c'est pas possible, parce que c'est pas le type de raisonnement qu'on a en agriculture biologique. On considère que le purin d'ortie, c'est un stimulateur, un activateur de biologie, mais on ne connaît pas trop tous les mécanismes, etc. Et nous, on réclame, par exemple, le droit de pouvoir utiliser le purin d'ortie, le purin de prêle, le jus d'ail. Enfin, il y a des tas de recettes, quelquefois pour rigoler, parce que ça fait un peu recette de grand-mère, mais qui prouvent leur efficacité. Il y avait notamment des essais très prometteurs en Dordogne avec des présiculteurs, avec des produits naturels fabriqués en plus en Dordogne et qui semblaient avoir de bons résultats contre des prédateurs de la terre. Eh bien, merci. Donc, 5 minutes de pause et ensuite la dernière conférence.